En novembre 2017, la Confédération nord-américaine de football, la CONCACAF, annonce la création d'une nouvelle compétition, la CONCACAF Nations League. Basée sur le même principe que son homonyme européenne, la Nations League des Amériques verra les 41 pays membres de la Confédération être répartis entre ligues elles-mêmes divisées en plusieurs groupes et un tournoi final pour le titre, opposant les meilleurs de la Ligue A, avec également des systèmes de promotion-relégation entre chacune des ligues. Quelques mois plus tard, la Confédération annonce l'expansion de sa Gold Cup de 12 à 16 membres. Les qualifications pour la Nations League vont ainsi servir d'une part à répartir les membres de la Confédération entre les différentes ligues, mais également à qualifier 10 équipes, les 10 meilleures de ces qualifications pour cette nouvelle Gold Cup. C'est ainsi que le rendez-vous de juin devient un objectif pour bien des sélections, à commencer par celle de Martinique. Placée sous l'égide de la Fédération Française de Football, si la sélection martiniquaise ne prend pas part aux éliminatoires pour la Coupe du Monde, en tant que membre de la CONCACAF, elle peut participer aux épreuves continentales. La Coupe Caribéenne des Nations, qui n'existera désormais plus et qu'elle a remportée à 3 reprises, compétition qui lui servait jusqu'ici de moyen d'accès à la Gold Cup, la compétition phare de la zone. Les Matininos ont disputé 5 phases finales de Gold Cup en 1993, 2002, 2003, 2013 et 2017, avec comme meilleure performance un quart de finale en 2002 et une élimination au tir au but face au Canada. Après 3 victoires en 3 matchs de Nations League, les Matininos ont ainsi besoin d'un dernier succès pour espérer faire coup double. Pour cela, l'objectif Gold Cup va passer par un dernier match, un derby entre deux îles sœurs, l'opposant à la Guadeloupe. Thank you.
parmi vous, les gars. Je suis fier, les gars. Mais aujourd'hui, je vais montrer la fierté que j'ai d'être avec vous. Les gars, il y en a, ils n'ont pas pu venir, les gars. Vous pensez à eux aussi. Vous pensez à eux, vous pensez à la famille. Et vous pensez à ce qu'on va faire aussi au mois de juin, les gars. Mais aujourd'hui, c'est déterminé, tous ensemble. Si quelqu'un est plus au bout de 50 minutes, les gars, on ne triche pas, les gars. C'est là qu'on voit si on est un collectif. C'est là qu'on va voir si on est soudés les uns les autres. Parce que c'est tous, on est tous soudés. Le groupe vit bien. Il vit bien, ouais. Il m'a vu, c'est là sur le terrain. Là, les gars, c'est pas 11 qui vont jouer, les gars. C'est 23, plus le staff, plus ceux qui sont là derrière nous, les gars. Aujourd'hui, c'est là qu'on va leur montrer. Je vous interdis, les gars, aujourd'hui, la bande qui nous m'amène. Aujourd'hui, on va leur montrer c'est qui. Si on est devant eux aujourd'hui, c'est pas pour rien, les gars. On a fait tous les sacrifices, tous les uns les autres. On a tous fait les sacrifices. Aujourd'hui, c'est à nous, les gars. On va leur montrer. Et c'est pas pour rien, les gars. Allez, bleu! Les gars, il y a déjà tout. Les gars, ils ont déjà tout. Là, les gars, c'est plaisir de jouer la guitare. Nous parlons du football, toujours les petits bêtes, les gars. Parce que tout le monde qui l'a, c'est belle, belle, belle. Eh bien, on vient la guitare. Et on va vivre de belles choses. Mais ça passe par des sacrifices ce soir. Ça passe par de l'abnégation, de l'envie, de la détermination. Tout le monde qui l'a, on peut essayer ensemble. Ensemble, on peut arriver demain. C'est pas ni l'un ni l'autre qui a fait équipe la guerre. C'est tout le monde qui a fait équipe la guerre. Ok, les gars. Chiavello, the shot, and that's going to get by. We're going to have our first goal of the night coming from Wesley Chiavello. Oh!
joie de tout le groupe après tous les efforts que nous avons faits, tous les sacrifices que nous faisons depuis plus d'un an pour pouvoir atteindre cet objectif de gagner nos 4 matchs pour se qualifier pour la Gold Cup et la Lyon A. Et c'est chose faite ce soir, donc vous avez un groupe qui est très content et très satisfait des résultats que nous avons faits. Ah, c'est toujours un rêve de participer à la Gold Cup, c'est quelque chose de grand. C'est, comme vous le voyez, c'est la Coupe du Monde des joueurs amateurs. C'est une opportunité inouïe de pouvoir se confronter à d'autres nations, comme les États-Unis, le Mexique, le Panama et tout. Et le fait de se qualifier pour aussi la Lyon A permet à de grandes équipes, peut-être en fonction du tirage, comme les États-Unis, de venir jouer en Martinique ou le Mexique de venir jouer en Martinique. C'est quelque chose qui sera très bien pour le pays et une très bonne chose pour le football martiniquais. On a un groupe qui vit super bien, qui a une très bonne ambiance, les joueurs sont très soudés. Là, c'est vraiment un groupe de, on va dire, d'une trentaine de joueurs, même pas de 23, d'une trentaine de joueurs qui, en fonction des formes, des blessures, sont opérants. Mais on a vraiment un noyau dur de près de 30 joueurs et c'est vraiment un groupe très soudé qui avait envie d'obtenir cet objectif. On commence à réaliser qu'on est qualifié. Moi, pour ma part, je ne réalisais pas encore. Là, ce matin, je me suis réveillé avec la sensation d'être qualifié pour la Gold Cup. Donc, c'est vraiment une satisfaction. Et on a montré qu'on a fait les trois matchs très sérieux avec des prestations abouties. Donc, c'est vraiment une grosse satisfaction pour nous, joueurs martiniquais, pour le club martiniquais. Donc, maintenant, on a réussi cette première phase. On va attaquer la deuxième phase où ce sera un autre level. Avec ce quatrième succès en autant de matchs, les Matinino terminent les qualifications de la Nations League à la troisième place, aux côtés d'Haïti et du Canada, les deux seules autres formations à avoir réussi le carton plein. Quelques jours plus tard, le tirage au sort de la Nations League est effectué à Las Vegas. La Martinique sera membre du groupe C et affrontera le Honduras et Trinidad et Tobago, deux équipes présentes au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. L'épreuve débutera en septembre 2019. Entre-temps, les Matinino pourront disputer une deuxième Gold Cup consécutive en juin prochain pour la seconde fois de toute leur histoire. Un défi de taille, puisque les adversaires se nomment Cuba, Canada et surtout le Mexique. Mais un défi excitant qui débutera le 15 juin au Rose Bowl de Pasadena face au Canada pour le match d'ouverture de la 15e Gold Cup de l'histoire. Cette histoire, la Martinique pourra alors continuer de l'écrire.